biddy bang bang biddy bang bang biddy bang. Ang biddy bang bang biddy bang bang biddy bang. Ang biddy bang bang biddy bang bang biddy bang. Tu cherches des crédits FUT? Je te conseille de check le lien dans la description. Avec le code promo AXOSKILL, tu bénéficieras de 5% de réduction sur ta commande. Les crédits sont livrés très rapidement et il y a plusieurs méthodes de transaction disponibles. Les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui une petite création d'équipe. J'espère que vous, ça va très bien. Mais écoutez-moi, je suis content de vous retrouver pour cette vidéo. Une vidéo un petit peu différente, voilà. Les créations d'équipe, vous me connaissez, j'en ai fait des paquets sur FIFA 15. Et là, j'ai clairement envie de changer un petit peu le mode, en fait, le montage. J'espère que ça vous plaira. Ce qu'on va faire, les gars, c'est qu'à la fin de la vidéo, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, je ne vais pas trop perdre de temps sur la création d'équipe. Ça sera surtout sur les gameplays que je vais insister, qui seront en plus en live. Donc ça, j'espère que ça vous fait plaisir. Je sais que ça a été énormément demandé. Et j'ai vraiment pris du plaisir à les faire en live, ces gameplays, ces matchs. Vous verrez, ils seront en nombre de deux, donc avec un condensé. Donc les gars, l'équipe, on va la présenter très brièvement au cage. J'ai placé Costil, juste parce qu'il avait le 85 en réflexe et le 81 de général. J'ai vu qu'il avait une bonne carte, et franchement, il m'a bien plu dans le jeu. Il est vraiment très bon, c'est un gardien français que je vous conseille pour pas cher. Hein. Lloris, il vaut 20 000 crédits, Costil, il vaut 1000 crédits. Je pense que le choix est vite fait. Défense centrale lyonnaise, Umtiti, Yanga Mbiwa. Rien à dire, franchement, deux défenseurs lyonnais, en plus c'est parfait, ils ont le lien, l'hyperlien, donc du coup c'était vraiment facile de créer l'équipe, et ils sont très bons, bien rapides, physiques, pas cher, moins de 2000 crédits les deux joueurs, donc c'est vraiment très bien. Les latéraux, voilà, Bossingua et l'autre, je vais pas écorcher, pas prononcer son nom, je vais l'écorcher, c'est imprononçable, ils sont rapides, donc voilà, c'est ce qu'on demande à des latéraux. Milieu central, j'ai placé un joueur qui est vraiment très bon, qui fait un début de saison monstrueux, qui revient en équipe de France, c'est Lassana Diarra. 1000 crédits pour ce joueur, en plus c'est donné et il va parfaitement dans un 4-5-1, parce que c'est vrai que le 4-5-1, en fait c'est très offensif. Et t'avais vraiment besoin quand même d'un joueur avec un minimum de contribution, on va dire, cohérente, et c'est le cas de Lassana Diarra. Il est en moyen élevé, donc c'est vraiment parfait, franchement. J'ai vu qu'il était vraiment très performant dans cette équipe. Sur les côtés, on a du El Younoussi à gauche, 5 étoiles en geste technique, vraiment bon. Je sais pas si vous le connaissez, mais franchement, je vous conseille direct de le tester. Il est vraiment très très bon pour un joueur argent. Côté droit, on a Quaresma. Vous devez le connaître, donc je vais pas m'attarder dessus. Sur les milieux offensifs, on part sur du Ben Arfa Inform. N'hésitez pas les gars d'ailleurs à check la review, j'ai vraiment kiffé jouer avec le joueur, c'est toujours le cas. Fekir côté gauche en milieu offensif et Boufal en BU. Donc si vous aimez pas cette disposition là par rapport à Boufal et Fekir, je vous conseille en cours de match de mettre pause. Voilà, si j'ai mis Boufal en BU, c'était tout simplement pour le collectif, sinon il n'allait pas avoir son collectif à 10 et c'était un petit peu embêtant. Ben les gars, ce qu'on va faire, on va se retrouver tout de suite pour des matchs. Tiens, j'ai des chaussettes, il y a des trous dessous. Non mais c'est pas possible, c'est pas Charlie tout ça. C'est quoi ces trous? Ah non mais j'ai honte. Et ça sera hors vidéo. C'est mort. Ah et pas une grosse équipe là, un truc normal. Pourquoi il y a un plot de DDE là, de travaux sur Insigne? Ah ouais, c'est parce qu'il a mis un plus quelque chose, d'accord. Donc Serie A, 3-5-2. Oh. Eh, il a même pas fait exprès. Allez, sur Diarra. Et si c'était Diarra qui allait marquer? Qu'est-ce qu'il y a? Et il a... Non! D'accord, j'ai rien compris. La volée. Pan! Oh, le gardien. Il a calculé qu'elle sortait. Il a pas plongé. Non, non, je plonge pas. Il passe à côté. Allez, Umtiti. Oh putain, tu t'es fait niquer comme une merde. Bien joué. Ah, c'était bien joué. Non, le mec, il a bien joué. Superbe action, rien à dire. Oh là là, El Younoussi. Je suis en train de me concentrer de ouf là. Oh là là. Oh, c'est magnifique. Dommage. Je devais tirer une gueule là. Ah, je lui fais trop de cadeaux. Il mérite de marquer son but, le mec, là. Attention. Ben, Costil, il est bon. Hein. Je crois qu'il va être homme du match. Bien joué, il mérite. Il n'y a rien à dire. Bien joué. Qu'est-ce que tu fais? Mais il est nul à chier, Lassana, hein, putain. Ils l'ont jamais vu jouer, sérieux, putain. Merde, quoi.
Non, mais appuie. Mais il est nul à chier. Je peux plus faire une passe, sérieux. J'ai plus le droit, c'est quoi le problème? Allez, Sofiane. Mais non, mais il court pas, c'est une... C'est la bonne manette pourtant, j'en ai une qui marche pas pour courir, mais celle-là elle marche. Hein. Oh le rageux! Eh, normal, attends, le mec me casse une jambe, attends. Mais il est tendu ce match, mais après faut pas s'énerver, c'est qu'un jeu. J'avoue, t'es pris dedans, mais wesh, arrête de me casser une jambe à mon joueur quand même. Bah, change. Oh, il aurait une bonne frappe, j'aurais tiré. Ah putain! Penalty! Bon. Ah mais bon, c'est nul. Bah il savait, genre. Ah il tire bien, non, y'a rien à dire, c'est un bon joueur, franchement, il joue bien. Non, rien à dire, bien joué. Il était plus fort mentalement, penalty. Penalty, faut pas croire, c'est pas que de la gratte, hein, honnêtement. Bien joué. Rien à dire. Ozoka, c'est vraiment équilibré, y'a rien à dire. C'était un beau match, franchement. Rien à dire, franchement, je kiffe jouer comme ça. Même si je perds, au moins, c'est... Voilà, les mecs, ils jouent bien, ils font pas... Tu vois. Bon, maintenant, il faut vraiment pas rigoler. Là, il faut gagner le match. Encore une Serie A, hein. Je disais qu'il y avait beaucoup de Serie A. Oh là là, allez, boum. Oh là là, il est beau celui-là. Il s'est jeté le mec, c'est vrai. Il s'est jeté. Mais il faut quand même les mettre, les gestes. Hein. Bon, ça fait un 0. Oh là 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 là. Oh merde, putain. C'est dommage qu'il soit pas droitier, sa race. Il a alerté. Toujours le même joueur qui fait un match de ouf. Oh là là, lui aussi. C'est somptueux, il est trop fort. Il est trop fort. J'ai un collègue qui me sonne là, putain, je reviens. T'es où, vieux? Bah vas-y, ramène-toi. Hein. Bah c'est pas grave, je fais un truc freestyle. Hein. Ça pue? Ça sent quoi? Mais une odeur de poubelle, une odeur... Ouais, de poubelle. C'est... Non mais tu sais ce que c'est? Ta poubelle? Ouais, c'est que j'ai remis le chauffage hier et la poubelle est collée en fait au chauffage. Du coup, ça pue la mort. Et c'est vrai que quand je me suis réveillé, ça schlinguait sa race. Allez, boum. Ouais, voilà, 3-0. Non, il y est pas. C'est quoi cette blague? Pourquoi il y est pas? En jeu? Ouais, apparemment, j'ai tiré dans le mec hors jeu. Ouh, 3-0, ça y est. Allez, c'est fini. Allez, 21 tirs, 12 cadrés, tu m'étonnes qu'il a, il a déjoué le mec. Les gars, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu. Je m'excuse, c'est parti un petit peu en freestyle. J'ai un ami qui s'est pointé. C'était pas prévu, mais bon, j'allais pas le laisser dehors. C'est quand même mon pote. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous a pas dérangé. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.